Warren Buffett est devenu l'un des investisseurs les plus réussis de l'histoire en suivant ses célèbres règles financières. Vous voulez savoir de quelles règles nous parlons? 99% des personnes ne sont pas familières avec la stratégie de Warren Buffett et il est très probable que vous ne le soyez pas non plus. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la bonne vidéo, avec la bonne mentalité, pour commencer à faire partie de ce 1% de la population capable de gérer ses finances de la manière la plus efficace possible. Warren Buffett est actuellement l'un des 6 hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Comme beaucoup, Buffett est parti de zéro, investissant son argent avec sagesse et suivant des principes qui lui ont permis de multiplier sa richesse année après année. Buffett est considéré par de nombreux investisseurs comme une sorte de demi-dieu dans le monde de la finance. Le célèbre entrepreneur américain est le plus grand actionnaire et PDG de Berkshire Hathaway, qui a une capitalisation boursière de plus de 700 milliards de dollars. Alors que la plupart d'entre nous pensaient à jouer aux jeux vidéo, à aller au parc avec des amis ou à rester à la maison pour poursuivre des hobbies, la dernière chose à laquelle nous pensions était nos finances personnelles futures. Mais maintenant, imaginez être le fils d'un courtier en bourse à Omaha, Nebraska, et acheter votre première action pour 38 dollars grâce à votre père. Warren s'est plongé dans le monde de la finance et des économies mondiales, mais un jour, le prix de l'action qu'il a acheté est tombé à 7 dollars. Pour un enfant, ce serait tragique, mais pour Warren, c'était un jeu d'attente. Il a attendu que l'action atteigne 40 dollars et l'a immédiatement vendue. Un adolescent moyen aurait probablement vendu à perte et aurait été contrarié, pensant que investir en bourse est une arnaque. Ici, nous voyons l'énorme importance de la psychologie financière et de la mentalité, où il est vital de laisser les émotions de côté. Le secret de Buffett était que même lorsque ses actions atteignaient 220 000 dollars, année après année, il a appris l'importance de la différence entre la valeur et le prix. Et bien sûr, l'importance de la patience pour obtenir des résultats optimaux. Ce sont quelques-uns des secrets qui l'ont conduit à devenir l'un des millionnaires les plus influents du monde. En 1956, Warren Buffett a fondé sa propre entreprise avec 7 associés, dont des membres de sa famille et des amis, avec un investissement initial de 15 000 cents dollars. Le plus drôle, c'est que seulement 100 dollars appartenaient à Warren. En 1961, Buffett Associates a réalisé son premier grand achat, la Dahmster Mill Agricultural Products Company, ce qui a entraîné des problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre seul. Pour résoudre tous les conflits, il a recherché Charlie Munger qui a mis de l'ordre dans l'entreprise. En 1963, il a vendu l'entreprise, réalisant un capital de 2,3 millions de dollars, sachant qu'il avait déjà un capital de 7,2 millions l'année précédente, en croissance dans tous les sens, avec 90 associés à travers le pays. Avec Charlie Munger, ils ont créé une philosophie très intéressante. Trouver des entreprises merveilleuses à un prix juste plutôt que des entreprises justes à un prix merveilleux. Un vrai génie. Maintenant, tu comprends pourquoi il est considéré comme un demi-dieu dans le monde de la finance. Règles pour devenir millionnaire, selon Warren Buffett. 1. Réinvestissez vos bénéfices. Warren Buffett préconise le réinvestissement des bénéfices comme méthode pour stimuler la croissance à long terme. Cette approche repose sur l'idée qu'en réinvestissant les bénéfices obtenus, il est possible de générer des rendements plus importants à l'avenir, car chaque bénéfice réinvesti contribue à la croissance composée. 2. Évitez les dettes inutiles. L'avertissement de Buffett concernant les dettes inutiles repose sur l'importance de libérer le potentiel de votre capital en évitant les prêts et les cartes de crédit inutiles. Minimiser les risques financiers et maintenir un plus grand contrôle sur les ressources est essentiel pour éviter les situations où les dettes peuvent devenir un fardeau limitant les opportunités d'investissement ou le progrès personnel. 3. Cherchez à vivre plus simplement. La recommandation de vivre simplement vise à créer un espace financier pour l'épargne et l'investissement. Malgré sa fortune considérable, Buffett continue de vivre modestement. Cette philosophie met en évidence comment minimiser les dépenses futiles peut créer des opportunités pour accumuler du capital, qui peut ensuite être dirigé vers des investissements plus significatifs, contribuant ainsi à la construction de richesses au fil du temps. 4.
Ne jamais investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. L'importance de l'éducation financière est soulignée par Buffett. Il souligne la nécessité de comprendre pleinement tout investissement avant de s'y engager, en évitant les investissements mal compris pour atténuer les risques et prendre des décisions éclairées. Cela souligne l'importance d'avoir une compréhension approfondie du modèle d'entreprise et des perspectives de croissance avant d'investir. 5. Investissez toujours à long terme. Buffett prône une approche à long terme de l'investissement, reconnaissant que les vrais avantages se matérialisent souvent avec le temps. Sa célèbre métaphore sur le fait de s'asseoir à l'ombre d'un arbre que vous avez planté il y a longtemps souligne l'importance de la patience et de la résilience face à la volatilité à court terme. 6. Le pessimisme est votre ami et l'euphorie votre ennemi. Buffett met en garde contre les émotions extrêmes dans le monde des investissements. Il suggère que le pessimisme ou la prudence peuvent être bénéfiques lors de l'évaluation des opportunités, tandis que l'euphorie excessive peut conduire à des décisions impulsives et risquées. Ce conseil souligne l'importance de maintenir une perspective équilibrée et objective, basée sur des analyses rationnelles plutôt que sur des fluctuations émotionnelles du marché. 7. Vous ne pouvez pas conclure une bonne affaire avec une mauvaise personne. La recommandation de Buffett de s'entourer de personnes réussies souligne l'importance de l'intégrité dans les affaires. Choisir des partenaires dont le comportement est exemplaire établit une base solide pour des collaborations réussies. L'intégrité et l'éthique sont des considérations cruciales pour Buffett, qui souligne que la qualité des personnes impliquées dans une entreprise peut influencer considérablement son succès à long terme. 8. Planification financière. Buffett souligne que la planification financière est la carte routière du succès. Tout comme partir en vacances sans plan est un désastre, il en va de même pour vos finances personnelles. Si vous dépensez sans plan, les choses ont tendance à très mal se passer. L'approche de Warren Buffett nous apprend à planifier sur le long terme sans devenir fou dans le présent et à économiser intelligemment. 9. Diversification intelligente. Buffett conseille de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il n'a pas misé tout sur une seule carte, et vous ne devriez pas le faire non plus. Contrairement à de nombreux millionnaires, Buffett n'a jamais misé sur des choses risquées sans savoir si elles fonctionneraient, du moins pas plus d'une fois. Une de ses philosophies est règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Ce conseil avisé change vraiment votre perspective sur le fait de devenir un vrai millionnaire. 10. Éducation financière. Warren Buffett affirme que l'éducation financière est la clé de tout et que l'investissement le plus précieux est celui que vous faites en vous-même. Le jour où j'ai décidé d'investir dans mon éducation financière a été le jour où mon portefeuille a commencé à sourire. Devenir millionnaire n'est pas un chemin facile qui se produit du jour au lendemain, à moins que vous ne gagniez à la loterie. Et même alors, c'est l'opportunité que beaucoup espèrent pour démarrer une entreprise. Ce que vous investissez dans votre santé physique, mentale et émotionnelle durera toute une vie. Mais si. 11. Valoriser le temps et la patience. Warren Buffett est connu pour valoriser profondément le temps et la patience dans les investissements. Il enseigne que le véritable succès financier vient souvent avec le temps, pas immédiatement. Buffett compare souvent les investissements à planter des arbres. Il faut du temps pour qu'ils poussent et portent leurs fruits. Il conseille aux investisseurs de ne pas s'inquiéter des fluctuations à court terme du marché, mais de se concentrer sur des investissements solides et durables qui peuvent générer des rendements constants au fil des ans. Cette approche nécessite de la discipline pour résister à la tentation d'investissements rapides et risqués, en donnant la priorité à la construction constante et durable de la richesse. 11. Apprendre des erreurs. Une des caractéristiques distinctives de Warren Buffett est sa capacité à apprendre des erreurs. Il reconnaît que tous les investisseurs font des erreurs, mais ce qui compte, c'est comment vous les utilisez comme des opportunités de croissance. Buffett encourage les investisseurs à analyser attentivement leurs investissements passés, en identifiant où ils se sont trompés et ce qu'ils auraient pu faire différemment. Cette introspection améliore non seulement la prise de décision future, mais renforce également la résilience et la capacité d'adaptation face aux nouveaux défis sur le marché financier. En apprenant des erreurs, les investisseurs peuvent ajuster leur stratégie
minimiser les risques et augmenter leurs chances de succès à long terme. J'espère que vous avez apprécié les précieuses leçons de Warren Buffett sur la manière d'atteindre le succès financier. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant quelle règle financière vous a le plus parlé ou quelles sont vos propres stratégies d'investissement. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.